premier épisode retour de Jalopy. En gros, on est à Istanbul, en Turquie plutôt. Donc on est parti en direction de Tarnovo. Je voudrais d'abord voir ça. Donc c'est la dernière enveloppe. Bon, une fois on l'a fait à la fin. Pardon. Donc mon enfant, je suis désolé de t'abandonner après tout ce voyage, mais je n'ai jamais eu l'émotion, l'intention de t'accompagner plus loin. Je dois faire seul la fin du voyage, de ce voyage. Je ne te souhaite aucunement le fardeau que j'ai enduré. J'aurais non, non putain, qu'est-ce que je dis comme ça? Au lieu de cela, je t'offre la liberté. Le mur est tombé. Il y a des rumeurs sur la réunification en Allemagne. Nous avons changé de paysage ensemble. Prends la Laïka et construis une vie heureuse. Oublie-moi ainsi que tout ce que nous avons connu. Cela vaut mieux. Avec tout mon amour, oncle Lutfi. Moi, ça me dérange pas plus que ça qu'il m'abandonne. Il est un peu chiant sur la route. Donc voilà. Et on va devoir faire tout le chemin retour avec ça. Faut se dire ça. Avec cette couverture de machin complètement moche. Donc j'ai fait le plein. C'est pas. En gros, on se retrouve pas comme d'habitude à l'hôtel parce que si vous vous rappelez du dernier épisode, j'avais crevé en fait et j'étais retourné à l'hôtel avec le pneu crevé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas tout montrer en fait. Et de revenir en fait juste ici. À cet endroit-là. Donc on va aller 290. 210 plutôt. On va éviter tout ce qui est long pour cette série, on va dire. Enfin, pour cette fin de série, parce qu'on a déjà tout vu ou presque. Donc maintenant il faut retrouver la sortie. Donc normalement la sortie elle est pas difficile, pas trop difficile à trouver. Donc normalement. Hop, voilà, nickel. Je sais pas s'il y a plusieurs voies en Turquie pour pouvoir faire le truc, mais souvent il y a un espèce de chemin bizarre quand même dans leur truc. Puis je crois pas qu'en Turquie ils ont le volant à droite, hein. Non, la conduite à droite plutôt, à gauche. Pourquoi à droite? Droite c'est tout le monde qu'on l'a. Tout le monde l'a la conduite à droite. Ah, ouais, peut-être que je commence à songer à changer de moteur. Ce qui commence un peu à ramer du fion comme pour au dernier épisode. Ah ouais. Avec au dernier épisode. D'ailleurs, on n'a pas eu un seul loot au dernier épisode. Donc ça va être assez tendu, on va dire, pour pouvoir. Pourquoi faire en fait tout ça en fait? Ouais non, je crois qu'on y a qu'une seule voie. Quoique non. Non, il n'y a pas qu'une seule voie, hein, on a plusieurs. Donc normalement, il est possible de. Je suis jamais arrivé en fait à tomber sur la bonne voie en fait. Allez, on détend les pistons. Avance.
Allez, il faut qu'on y arrive. Si je me trompe pas, on va jusqu'à Tarnovo pour continuer. Fini de la montée. Non, après tout le reste ça va passer crème. Mais par contre je pense que ça va être tendu si on veut avoir les 1000 Dutch mark, les 1000 marques, et qu'il faille encore changer le moteur, mettre le truc numérique, le nouveau le compteur, l'autre compteur, plus mettre les feux, plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, bah non, c'est tout. Les garde-boue, on a déjà dû les mettre, je crois. Non, je crois qu'on a déjà tout fait, non? Je sais plus. Je crois qu'on a presque tout fait. Donc ouais. J'espère quand même qu'on va avoir pas mal de loot cette fois-ci, pas comme tout à l'heure. Ben pour moi tout à l'heure, mais pour vous c'était à l'épisode précédent. Pas vraiment envie de me taper un raccourci. Merde, y'a quelqu'un derrière. Klaxon. Fait 70 km. Mais on n'a toujours pas eu de loot. Là, il y a un coffre, il y a un truc là. Hop, on va s'arrêter là. On va faire ça. En face en plus. Et là, on va dire que de faire comme j'ai fait là, c'est plutôt risqué parce que... comment dire ça? Si, je dis bien si, en gros... c'est pas disponible, c'est pas possible de passer ça aux douanes, et je l'ai dans le cul en fait. Voilà, c'est ce qui va se passer. On peut pas passer ça aux douanes. Bon, déjà le textile il va rester ici, quoique ça vaut 1 € quand même, ça fait 3 $, 3 marques plutôt. Je vais citer toutes les monnaies sauf le bon en fait. Donc voici, en plus c'est prohibé vers Tarnovo, je le jetterai, mais bon. Hop, allez. On se paye. Pas grand chose, j'aimerais bien avoir quelques bouteilles si je voudrais arriver. C'est vrai que sur mon premier passage, j'avais eu pas mal de loot. Et j'ai réussi quand même à améliorer pas mal mon véhicule au final. Faire cette série dans les règles de l'art, j'ai tout recommencé du début.
Hop, 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 hop. Une caisse à terre. T'as bien au moins la médoc? Ouais, 10 balles. Ouais, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Hein. N'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a par exemple au mois d'octobre, il y a un jeu que je vais certainement faire soit en stream soit en vidéo. Ce sera Forza Horizon 4. Ah, donc il doit se passer en Grande-Bretagne. Ben, Grande-Bretagne-Écosse en fait. Donc je ferai avec 90% de chance en vidéo. Ben, ou en stream, mais je sais pas encore. Hop, 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 on va s'arrêter là, il y a une caisse encore en face. Donc déjà on a eu plus de loot que sur le premier arrêt, on va dire, sur le premier passage. On a eu beaucoup plus de loot, deux ou trois fois plus, parce que de toute façon, comme on dit, ça marche aussi autant avec le plus qu'avec le fois. Hein. 0 fois 0 égale la tête à Toto. Non, sauf que là, c'est pas 0 x 0, mais bon, on n'est pas loin. Ah. On va le prendre, en plus, il y en a pas mal. Merde. Mais arrête de le récupérer, tête de burne. On va essayer de poser tout ça. Non, il devrait pas y avoir de soucis. Voilà, on a tout vidé. Comment ça fait un nuit? Ouais, putain. Tac, tac, tac. J'espère franchement que cette série vous plaît. C'est vrai que parfois j'oublie. Je pense pas forcément de parler, même si bon, c'est un peu le but d'une vidéo, on va dire. Ah, je crois qu'on est arrivé. Arrivé à Tarnovo. Oui, on est arrivé. Ah, il y a mon moteur qui demande une petite réparation. J'espère que au pire le vin soit prohibé ou quelque chose que je n'ai pas en fait. Parce que j'ai quoi? J'ai saucisse, j'ai textile et j'ai aussi... Alors, qu'est-ce qui est pas bon pour rentrer dans ce pays? C'est du vin. Bah, c'est parfait, j'en ai pas. Hein? Papier, s'il vous plaît. Je sais que parfois, il y a des bugs, en fait, ici. En gros, que... ça marche pas, en fait. Tout semble en ordre. Hop, et on se taille. Moi je sais que plusieurs fois j'ai dû recommencer le départ en fait, du départ, parce que j'arrivais pas, pardon, sur le retour à faire un
Merde, comment ça s'appelle? J'arrivais pas à faire un... Chut. J'arrivais pas à passer au compte... au contrôle... Oh merde, c'est là-haut le machin. Bon, donc on va s'arrêter ici. Et on vendra au prochain, ou tu ne sais quand. Nickel. Aïe. Et on réparera aussi avant de partir, ou je le ferai hors vidéo, je ne sais pas, on verra. Donc là, merde. Là, on va quand même s'arrêter comme ça. On va quand même aller se coucher, même s'il n'y a plus aucun... Ok. Heureusement que les machins s'envolent pas, hein, parce que sinon... Ça serait tout parti. Mais c'était pas 40 à Istanbul, le prix du motel. Je m'en fous, c'est pas très grave. Emmerder quelqu'un d'autre. Ok, il y en a qui essayent de dormir, pas de problème. Bon, ils essayent tous de dormir. Ah, il m'a filé des sous. D'ailleurs, faut que j'aille chercher. Oh, yes. Chercher mon porte-monnaie d'ailleurs. Donc on va aller au 2C. Aller au 2C. Bon, c'est vrai que là je suis pas vraiment concentré. Enfin, à dire, je suis plus concentré sur ce que je fais que sur ce que je peux dire, parce que c'est vrai que je pense pas forcément à ce que je peux dire. Donc hop. Hop, donc c'est à peu près ce que j'avais avant d'arriver à l'hôtel de Istanbul. Oui, mais c'est elle qui a la clé encore. 2C, voilà, je vous l'avais dit ça. Donc voilà. Hop, on est arrivé à Tarnovo. Hop. Bon, on attend plus grand-père, il est pas là. L'oncle. Hop, on va se coucher. Et nous, on va se dire au revoir. C'est vrai qu'elle va être un peu plus courte peut-être cette vidéo, quoique. Je sais pas. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Je vous dis ciao ciao.